Aujourd'hui, nous allons voir comment saisir du texte à l'aide du curseur dans Word 2007. En effet, une fois votre nouveau document créé, vous pouvez enfin écrire votre texte. Donc pour commencer, le texte s'écrit à l'aide de ce curseur. Comme vous pouvez le voir, il clignote. Le symbole à côté signifie que vous êtes sur une ligne. Il s'affiche à chaque ligne. S'il vous gêne, vous pouvez l'enlever. Pour ce faire, vous vous rendez dans le menu et vous allez dans les options Word. Vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Vous allez dans Affichage et vous décochez Marque de paragraphe. Voyez, vous avez l'icône à côté. Maintenant, vous faites OK. Comme vous pouvez le voir, le petit symbole a disparu. Pour taper un texte, vous vous aidez du clavier. Par exemple, je vais taper mon texte. Si vous vous rendez compte que vous avez fait une faute, par exemple le S de suit, vous pouvez, à l'aide de votre souris, vous rendre à côté du mot en cliquant à côté, comme ceci, et vous pouvez très bien rajouter une lettre. Si vous voulez supprimer une lettre, par exemple rajouter un accent sur le A, vous vous aidez de la touche retour arrière qui se trouve au-dessus de la touche entrée. Donc elle enlève la lettre et vous pouvez remettre la lettre que vous souhaitez. Maintenant, vous pouvez revenir à la fin de votre phrase. Si vous souhaitez sauter une ligne, vous appuyez sur la touche Entrée, comme ceci. Et vous pouvez le voir, cela saute automatiquement une ligne. Pour revenir à la ligne d'au-dessus, vous utilisez la touche Retour arrière, comme ceci. Une fois que vous avez sauté une ligne, vous pouvez retaper du texte. Voilà. Maintenant, vous savez comment taper du texte, retourner à la ligne, mais aussi modifier votre texte.